Yes. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs Millet Chanchou, Colin Swanchouan et Donadia Sem qui a écrit pour lui. Photo Joseph, photo son nom de producteur qui a son tour en producteur qui s'appelle Emmanuel Châtier qui est également produit parce qu'on appelle le mémoire. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canals d'Or et s'appelle Madame Colette Châtier. Et on lui dit. On lui dit bon vendredi, madame. Il faut applaudir pour l'amour. On reçoit Stanley Lo. Mais Stanley Lo, on pourrait dire de toi que tu es presque le petit pays du mouvement musique urbaine. Parce que toi, tu as tous les noms. Tu es le King Kong, tu es Stanley Lo, tu es Mandalan Baby, tu es Bafou Sampé. En fait, tu es lyriciste, auteur, rappeur, entrepreneur, producteur. À l'époque où tout le monde pensait que tu allais nécessairement signer, non, tu t'es constitué en boss, puisque tu es le patron de l'Empire Motherland. Alors, pour raconter les choses telles qu'elles sont, tu es sous les feux de la rampe, premièrement comme acteur vocal, comme présentateur radio et télé. Ceux qui sont des grands fidèles de Canal 2 doivent t'avoir attendu à l'époque sur Moa ou t'avoir vu sur les plus grands plateaux de musique urbaine comme présentateur. À cette époque-là, tu portes un magnifique projet, celui de Épais, qui va te faire, qui va te donner une ouverture incroyable sur le monde entier. À cette date, tu es l'unique Camerounais à avoir gagné MTV African Music Award comme Best New Act. Et pas que, aujourd'hui, tu es l'un des Camerounais des musiques urbaines à avoir réussi son ouverture à l'international. Pratiquement le seul à avoir une collaboration avec Davido sur Caramel, pratiquement le seul à avoir une collab avec Mr. Easy sur Adore You, avec Fudo Desi, avec DJ Neptune, avec Sarkozy sur le remix de Jama Jama Kao, si on ne s'en tient qu'à ça. Ils ne sont pas très nombreux dans le milieu des musiques urbaines à avoir sorti des albums. Toi, tu as Soulja Like My Papa and Stanley vs. Aino. Ils ne sont pas nombreux dans les musiques urbaines à avoir porté leur propre spectacle, puisqu'on se souviens, un 11 février, tu avais tout laissé, tous les autres contrats pour offrir à la jeunesse camerounaise un show incroyable avec une entrée spectaculaire. Ce jour-là, on s'est bien rendu compte qu'au-delà de tout ce qu'on peut mettre comme nom, toi, tu es de super entertainer. Tu sais faire le show avec absolument tout. Mais l'une des dernières prouesses en date, c'est d'avoir fait un son sur lequel tu réunis les meilleurs au Cameroun, locaux et Tizi Panchak, My Way, et produire une version internationale où tu mets la Côte d'Ivoire et pratiquement toute l'Afrique australe, Diamond Platinum d'un côté et Ariel Chéné de l'autre, un gros hit. Entre-temps, tu es allé à la conquête du continent américain et là, tu collabores avec Scott Scholes. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu es l'un des rares Africains venant du continent à l'avoir fait. Stanley Lo, tu es une véritable fierté camerounaise. Fraîchement revenu des États-Unis, tu as atterri direct sur notre plateau. C'est un plaisir de te recevoir avant la Bright House. Bienvenue, Stanley. Yeah! Yes, 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 il est notre invité, il nous retrouve.